Les bénédictions du sommet spécial Abidjan 2024 ont débordé pour se déverser sur plusieurs départements de la CMCI à Abidjan et dans la nation ivoirienne, lesquels ont eu l'occasion de recevoir ministère de la part des ministres assistants du leader Théodan Ndossé, rattaché à leur charge particulière dans l'église. C'est le cas du mouvement des enseignants-chercheurs qui a tenu une conférence avec le professeur docteur Dieudonné Ndiamène, responsable du département de la science pour la conquête du monde pour Christ. Ayant réuni les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les docteurs, les doctorants, les titulaires de master et les masterants, ainsi que le personnel administratif et technique des universités, cette conférence a porté sur le thème « L'enseignant-chercheur au service de l'Évangile ». Elle a été l'occasion pour l'orateur d'encourager nos élites universitaires à mettre leurs diplômes et fonctions au service de la conquête du monde pour Christ. Dieu peut se servir de tes études. Et Dieu peut se servir de tes grades académiques, de tes diplômes. Tout dépend de ta consécration à lui et de ses desseins dans ta vie et de son appel sur ta vie. Nos diplômes peuvent servir l'évangile, l'entreprise de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ta position à l'université peut servir l'entreprise de l'évangile. Tes diplômes peuvent servir le ministère que Dieu nous a donné. Les titres académiques que tu as peuvent servir à notre vision. En soutien au professeur docteur Dieudonné Ndiamène, cette conférence a aussi vu la présence et la participation du pasteur Albert Congo, missionnaire numéro 1 de notre œuvre en France. Il a aussi partagé son témoignage présentant comment sa fonction de professeur d'université lui a permis de gagner une certaine catégorie d'âme à Christ. C'est très important. J'ai eu ce problème avec une disciple. Son mari ne voulait pas entendre parler de l'évangile. J'ai travaillé avec cette fille et cette sœur pendant trois ans. Le mari ne voulait rien savoir. Il croyait que bon, j'étais un va-nu-pied qui cherchait l'argent de sa fille, de sa femme, par les dîmes et ainsi de suite. Mais le jour où je me suis présenté chez lui, je me suis présenté comme étant professeur d'université. Là, il a commencé à s'asseoir et il m'a écouté. Et ça l'a convaincu. Amen. Donc, quand le frère disait que ton diplôme peut servir l'évangile, c'est vrai. Donc, soyez encouragés et je vous encourage aussi. Amen. Notons qu'avec les 53 enseignants-chercheurs et chercheurs que compte déjà ce mouvement mis sur pied par le pasteur Boniface Meynier en septembre 2020, sans compter le personnel administratif et technique et le grand nombre de médecins et de docteurs en attente de recrutement, cette rencontre a été aussi l'occasion de partage sur les actions à mener pour booster la conquête dans les universités et grandes écoles, ciblant particulièrement les enseignants-chercheurs. Lesquelles actions sont pour la plupart déjà mises en œuvre depuis le lancement de ce mouvement qui a pu recevoir une touche consistante d'encouragement à l'occasion de cette conférence. Nous avons eu une rencontre très enrichissante. Le professeur Dr Ndiamène est venu nous encourager. Il nous a montré la nécessité pour nous, en tant que des enseignants-chercheurs, de s'élever et d'aller conquérir cette classe d'intellectuels qui n'attendent que l'évangile et les acteurs pour les amener à Christ sont bel et bien nous. Et il a pris l'exemple d'Étienne, qui était aussi un homme de la même classe, la classe de la diaspora juive. Et il a su planter Christ dans le cœur de ces personnes. Et nous avons pris bonne note et nous avons été fortifiés. C'est des choses que nous avons déjà pensées à notre niveau. Nous avons mis des stratégies en place, sauf que le sommeil à un certain niveau nous a pris. Et comme nous sommes dans la mouvance du réveil, il est venu encore nous réveiller davantage et nous croyons que les jours à venir, les universités seront en feu pour Jésus. Ils sont venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour assister à la deuxième édition de la conférence des élites qui a porté sur le thème « L'enseignant-chercheur au service de l'Évangile » avec pour orateur le docteur Dieudonné Ndiamène, par ailleurs responsable de la conquête du monde pour Christ par la science.
Et alors, c'était une réunion riche en témoignages et en exhortations qui a porté sur le modèle d'Étienne, missionnaire intellectuel métropolitain qui avait un champ d'émission bien défini, celui de gagner les intellectuels tout en engageant des débats sur la foi. À vous la parole, était au cœur de cette rencontre. On vous propose d'écouter quelques réactions. C'est une joie pour moi d'avoir de participer à cette rencontre avec notre frère qui a été une grande bénédiction pour moi. Parce qu'avant, je voyais la conquête des anciens chercheurs, des étudiants, mais j'avais oublié une catégorie. Par son intervention de ce soir, je vois que les intellectuels constituent une classe. Et pour conquérir cette classe, on a besoin aussi des intellectuels. Et si nous ne nous engageons pas, c'est des personnes qui seront vouées à l'enfer. Et nous sommes aujourd'hui mandatés. Il nous a donné cette mission. Nous sommes devenus des missionnaires, des intellectuels. Et à ce titre-là, nous allons travailler. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour faire ce travail. Et en nous expliquant qu'Étienne était un intellectuel, et il allait vers la classe des intellectuels pour leur prêcher l'évangile. Et son évangile était des aiguillons. Quand le Seigneur nous disait à Saul de Tarse que tu ne peux pas lutter contre, tu ne peux pas régimber contre les aiguillons, c'est aujourd'hui que je comprends que les aiguillons, c'était l'évangile d'Étienne. Donc nous aussi, nous sommes aussi remplis de puissance parce qu'il a prié pour nous. Et nous venons de finir une croisade pour le retour à Dieu. Et nous sommes remplis de cette puissance. Nous allons partir sans peur pour donner l'évangile à cette classe intellectuelle. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du salut. Je sors de cette rencontre délivrée et encouragée à, comme l'orateur l'a dit, à être une Étienne sur la faculté de médecine, à être un missionnaire métropolitain, à nous diriger vers les intellectuels dans notre cadre de profession, dans les universités et même dans les CHU pour nous qui sommes étudiants en médecine, pharmacie et odonto. Et ça a été un grand honneur pour moi de pouvoir assister à cette rencontre. Et nous sommes sortis bénis. Et pour moi particulièrement, ça a été une bénédiction parce qu'au cours de mon cursus, il y a eu des personnes qui sont pour moi un modèle. Et le professeur Jamen Dieudonné fait partie de mes plus grands modèles humains à imiter. Et c'était un honneur pour moi de pouvoir prendre part à cette rencontre. Vraiment, j'ai été richement béni de participer à cette rencontre parce que j'ai reçu de très grandes vérités qui m'ont révolutionné en tant qu'étudiant. Voilà, je tiens à préciser que je suis étudiant en Master 2 en didactique de l'anglais. Et l'une des vérités qui m'a marqué ce jour, c'est que quand un homme est consacré tout entier à Dieu, Dieu peut se servir de tout ce qu'il possède pour son œuvre. Et les études, le grade, le titre sont des choses que Dieu utilise pour sa gloire, pour se glorifier dans le monde. Et je veux bénir le nom du Seigneur de ce que je crois qu'à travers cette vérité, ça m'emmène à travailler dur dans mon domaine d'activité pour grandir en ce qui concerne le grade, pour grandir, pour avoir des titres dans mon domaine afin de pouvoir influencer le monde par l'évangile. Je veux bénir le nom du Seigneur vraiment pour ces vérités que j'ai entendues et qui m'ont permis de prendre ces résolutions à travailler dur. Que son nom soit béni. Amen. Cette rencontre m'a permis de pouvoir adapter mon titre et ma profession à l'évangile. Parce que avant tout, je suis évangéliste, je suis sémeur et j'aimais beaucoup prêcher l'évangile au travail, à mes collègues et surtout à mes patrons parce que je suis assistante de direction bilingue. Et le fait que je parlais anglais enthousiasmait mes patrons.
J'avais des patrons qui venaient d'Espagne, des États-Unis, de l'Angleterre, qui me parlaient. Et quand ils voyaient mes livres sur la vraie repentance, le brisement des liens malsains, le renversement des principautés, ils me demandaient tout le temps, Clotilde, que dit la Bible aujourd'hui? Quels sont ces livres? Et moi, je disais toujours que Jésus revient bientôt, repentez-vous. Et j'avais les moyens de leur dire ce qui était dans le livre, mais je ne les prêchais pas efficacement. Mais à la sortie de cette conférence avec notre pasteur, j'ai pris la résolution de prêcher l'évangile à mes collègues et d'insister, même dans les groupes, de ne pas rester timide, d'en parler, parce que la mort peut les prendre dans le péché. Nous disons que nous sommes jeunes, que nous avons l'avenir devant nous, mais la jeunesse appartient à Jésus-Christ. Donc, je m'adapte et je m'allie à ce mouvement d'évangélisme pour les intellectuels. J'ai participé donc à la rencontre avec le professeur Ndjamène. Et lors de ces rencontres, l'une des vérités fondamentales qui m'a vraiment touché, c'est que les études ou le niveau scolaire ou le rang scolaire est comme l'arme, est comme le bâton de Moïse, est comme la beauté de Esther, est comme la sagesse de Belshazzar ou l'ingénierie de Belshazzar que Dieu a utilisée pour pouvoir faire son œuvre. J'ai juste compris que si j'avance dans mes études et que je quitte le grade que j'ai aujourd'hui, un grade très supérieur, Dieu pourra utiliser ce grade-là pour la conquête du monde et élever son nom dans le rang des sciences et être un Jésus universel qui conquiert le monde par la science. J'ai décidé donc de m'investir corps, âme et esprit pour apporter au Seigneur Jésus un diplôme qu'il peut utiliser comme le bâton de Moïse. Et une chose que j'ai compris, c'est que si je ne suis pas consacré ou que je n'ai pas consacré tout cela à Jésus, cela ne peut pas être utile. Il faudrait donc, en plus de mon grade, que je me consacre à lui avec ce que j'ai. Et ainsi, mon diplôme, mon rang et mon statut actuel pourra être le bâton de Moïse dans mes mains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis vraiment ravie d'être à cette rencontre-là. Parce que ça m'a permis quand même de comprendre certaines choses. Comme le pasteur le partageait, à un certain moment, je ne savais pas que les études là, on pouvait mettre les études, on pouvait mettre le diplôme au service de Dieu. Je me disais que c'était pour chercher les choses de la terre. Mais quand même, cette rencontre-là m'a permis de comprendre que mes diplômes, mes études, mon grade au service de l'Éternel, avec mon grade, je peux atteindre un certain nombre de personnes qu'on ne peut pas atteindre quand on n'a pas le grade. Donc, c'est un peu ce qui m'a marqué à cette rencontre-là. Et j'ai pris la résolution, pendant que je serai avec les doctorants, pendant que je serai avec mon professeur, comme la sœur Annie l'a dit, je peux lui faire des petits cadeaux en glissant les livres. Ça peut quand même aider à propager l'évangile et à gagner les enseignants-chercheurs, le personnel administratif à Christ. Une chose est certaine, nos études peuvent servir à ouvrir les portes pour la conquête du monde. Tout dépend de nos connaissances et de la relation que nous avions avec notre Dieu. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTVC, la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.